s'est perdu sur des chemins. En vagabond, s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser. Comme des nomades enflammés, j'ai vous caché, j'ai vous trouvé, à la recherche de liberté. J'ai vous caché, j'ai vous trouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, j'ai vous caché, j'ai vous trouvé. Nous sommes enfin prêts à rêver, j'ai vous caché, j'ai vous trouvé. J'y retrouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête, vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver. J'ai vous caché, j'ai vous trouvé. Vous apportez de la gaieté. J'ai vous caché, j'ai vous trouvé. Allez, venez, venez, vous amusez. J'ai vous caché. Mais c'est un petit escargot, qu'est-ce que c'est que ça? Alors essayez de deviner pourquoi on a fait ça. Et à partir de maintenant, vous trichez pas. Vous allez voir la suite, mais vous trichez pas. J'aime bien l'odeur de la peinture. Ah, ça bave. Alors, est-ce que vous connaissez cette machine? Vous en avez déjà vu? Ah, Eric, chez qui on était, là, il disait qu'il avait hésité à s'acheter la même machine. Après, ça va bien. Hein. Parce qu'il aime bien travailler la ferraille aussi. Ah, ça coupe avec la chaleur, c'est ça? Oui, ça coupe avec la chaleur. Ouais. En fait, c'est le placement. C'est l'équivalent en puissance du gazet. D'accord. Et voilà. Et donc là il y en a deux. Là, ça fait quand même des petites. Super. Bon ben Lucas, il te faut un appareil comme ça du coup. Hein.
fait, il a choisi cette plaque parce que c'était deux plaques l'une contre l'autre. Comme ça, il a eu juste à couper une fois. Ça, c'était cool, quoi, du coup. Mais elles ont l'air bien collées. Est-ce que c'est le plasma qui a collé un peu? Oui. D'accord. Avec la chaleur, ça fait un peu comme une soudure, mais légère, quoi. Les antennes, elles sont parfaites comme ça. Et finalement, tu savais pas trop comment les faire, les antennes, mais c'est bien comme ça. Ça va pas mal. Ouais, franchement. Eh ben, elles sont superbes. Attends, je fais une petite photo. On pourrait presque les mettre face à face sur le camping-car. Ça, tu peux. Ça fera plus joli, je pense. Ouais. Comme s'ils allaient l'un vers l'autre. Voilà, du coup, c'est ma mère et moi, les deux escargots. C'est sympa, là. Superbe. Après, la perceuse à colonne, et ce sera des boulons un peu comme ça. Voilà. Cette, grosse, cette grosseur-là. Voilà. Super. Ça, c'est parce que ça risque de tourner. Ouais. Évite de se couper les doigts. Oui, parce que tu l'as bien aiguisé en plus, alors. Faut que tu la lances, la machine. Ouais. D'accord. Je tends beaucoup plus les courroies, moi, pour frapper une patine. D'accord. Eh ben nickel. C'est tout. Il dit c'est tout bon, maintenant faut faire des trous dans le camion, c'est tout à fait ça. Mais bon, c'est pour la bonne cause comme on dit. Hein. Bon, maintenant va falloir aller réveiller mamie nomade parce qu'elle dort encore, là, elle n'est pas encore bien aujourd'hui. Donc je l'ai réveillée de bonne heure pour lui mettre ses gouttes parce qu'elle doit mettre des gouttes 8 fois par jour. Donc toutes les 2 heures à peu près. Donc c'est un peu embêtant. Et en plus le matin elle a 3 sortes de gouttes différentes pour ses yeux. Et il faut qu'il y ait minimum 15 minutes d'intervalle entre chaque goutte. Donc ce matin je lui ai fait 8 heures les premières gouttes, 8h30 les deuxièmes, et 9h les troisièmes. À 10h elle va en avoir encore. À 12h elle va en avoir une. Et comme il y en a une deuxième à midi, à 12h15 ou 12h30 elle en a une autre. À 14h une autre. À 16h une autre, à 18h une autre, pendant le repas à 19h une autre, à 20h une autre, et au moment du coucher une autre. Donc c'est toute la journée des gouttes, hein, pour mamie nomade. Hein, voilà, ses yeux, mais en même temps les yeux c'est précieux. Et puis en fait ça s'est pas super bien passé son opération, donc voilà, c'est pour ça. Hein. Tu vas faire quoi? Alors, je vais juste faire un point de soudure, que ça soit solidaire. Ah ouais, comme ça fait un ensemble. Ça fait, et comme ça c'est vissé par l'arrière. Alors là, moi je vais filmer, mais je vais pas regarder, vous allez regarder vous.
parce que là faut pas que je regarde. La vidéo est trop courte, t'es trop rapide. Et un petit coup de meulé. L'empreinte des tournevis pour ouais. Éviter qu'il y en ait un qui s'amuse à venir essayer de démonter. C'est pas bête. Voilà, produit fini. Et du coup, il y a quelque chose pour le rendre plus brillant partout? Faut que je frotte avec quelque chose peut-être? Un miroir ou. D'accord. Nettoyant vitre, ça va très bien. D'accord. Parce que du coup, je vais essayer de le rattraper pour que ça soit tout pareil. Ça devient tout brillant, hein. Elle est passée de l'autre côté, la chienne, elle a fait le tour, elle est passée là-bas. Bon, je peux mieux voir depuis là-bas. C'est encore un peu chaud, c'est ça? À l'inox, c'est un peu le souci. De toute façon, la longueur, je vais la laisser pour l'instant. Oui, ça, on verra à l'intérieur. Une fois qu'on a percé, on les mettra en place, puis on va regarder ce qui dépasse ou pas. Ben, voilà. Il a empilé des chiffons les uns sur les autres et ça lui sert de lustreur. Hey, c'est plus facile qu'à la main, hein. Du coup, il va mettre des équerres pour solidifier l'ensemble à l'intérieur du camping-car. Et de deux. Le pointeur, c'est pour faire quoi? Ça, c'est pour faire un cône pour la tête de vis. Ah, d'accord. Ta tête de vis, elle s'incruste dans ta tôle et ça se voit plus. Loli, ça l'intrigue. Alors déjà, l'équerre fixée contre.
Comme ça, on est tenu là-bas, ça répartit pas trop mal la charge. Heureusement d'ailleurs qu'il y avait ce côté pour tout tenir. Hein. Hmm. Après, c'est vrai que j'ai fait ça sur la route avec les moyens du bord, c'était pas simple. Ah bah c'est pas toujours évident. On était en Bulgarie, je crois. C'est pas toujours évident non plus. Donc allez voir, je mettrai un petit i pour vous remontrer la vidéo si vous l'avez pas vue. T'es sûr de pas avoir de fil là derrière? Ben sûr à 100% non, mais bon, j'espère que non. C'est le souci avec les camping-cars. Le jour déjà, donc là on va voir où c'est que ça tombe dehors. Tu vois, donc ça va rien à voir. Le regarde, le truc, ouais, ça n'a rien à voir. Ta vis, et donc c'est celui-là qui va là-haut. Et en fait, je vais sortir l'échelle peut-être parce que je suis un peu petit. Alors là, il est parti à l'intérieur parce que pour pouvoir l'enfoncer, il faut qu'il mette bien en place le meuble derrière. Et je pense qu'il a le boulon à l'intérieur. Nickel. Donc il y en a un deuxième en face. Alors comme vous pouvez le voir là, le camping-car est très sale. Tout ça c'est de l'huile parce qu'en fait j'ai eu une très grosse fuite d'huile. Il a fallu que je fasse réparer. Je pense que j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Enfin, je peux vous dire ce que c'est qu'a cassé. C'est le refroidisseur d'huile qui est sous le bloc moteur, qui était complètement fissuré. Donc il a fallu le changer. Il y en a eu pour très très cher. Voilà. Pour l'instant il y a un trou de fait. Et on aura un deuxième à faire une fois que celui-là sera vissé. Allez, hop. Il va falloir que je le tienne pour qu'il reste droit. Alors je pense que je l'ai mis droit. Vu d'à côté, c'est jamais simple en fait. Mais de toute façon, là, on verra après. Hein, parce que là, pour l'instant, il va percer. Et voilà, le four est sorti. Ils vont être face à face, les escargots. Donc voilà, deux escargots de plus sur Vagabond. Vous voyez, quand il s'est défait, en fait, il a fêlé le meuble comme ça. Donc il va mettre une petite... vous allez voir ce qu'il va mettre. Je pense qu'il va redresser un peu tout ça. Ah bah nickel. Regardez, on voit à peine la fissure. Ça, c'est du bon boulot. Petit plan d'eau. Voilà, alors ça, c'est la sens. Coucou, madame. Coucou. Coucou, mademoiselle. Coucou Malone. Coucou papa. Ça doit être un renard ou un truc comme ça. Ça doit être... Oh non, c'est un nid de lapin. Oh bah c'est déjà des gros lapins, mon chéri. Là je veux pas voir la taille du lapin si c'est un lapin. Non, ça c'est des renards. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a des renards. Oh bah oui. Ici. Il y a des renards, il y a des sangliers. Oh bah oui. Oh bah bien sûr. Ah donc c'est pour ça qu'il y a une barrière là. Il faut pas. Eh oui, c'était dans les Ardennes, mon chéri. Il y a des sangliers. Dans ce côté. Et ça veut dire que le sanglier est un des sabots de la France. Non, des Ardennes, mon cœur. Des Ardennes. Un petit coin avec des petits bancs. Petite pierre pour le feu. Joli. Sympa, sympa. Alors ici, on a les anciens fours à chaud. On va essayer de monter. Si on voit mieux. Hop, on va pas se vautrer.
sais pas si on voit bien. Voilà, voilà. Alors, il y aura de la lecture. Voilà. Un peu de lecture.